Les savanes et les forêts du parc du Xingu sont habitées par 16 groupes ethniques de langues et de traditions différentes. Au cours d'un long processus d'échange et d'emprunt, ils ont fini par adopter un style de vie sensiblement identique. Les villages, fortement hiérarchisés, sont composés de grandes habitations collectives articulées autour d'une place centrale. La division sexuelle du travail, le répertoire de peinture corporelle et l'artefact sont des traits communs aux ethnies du Haut Xingu. La mise en scène des grands événements mythiques permet une forte articulation entre tous ces groupes. Elle renforce les alliances et favorise la pérennité du patrimoine culturel. Le processus de xinguanisation est surtout marqué par le régime alimentaire et le respect rigide de tabous. Seuls, des poissons et quelques espèces d'oiseaux sont autorisés. Les animaux à poils sont strictement interdits. L'alimentation est essentiellement fondée sur une forte consommation de manioc. Cette uniformité culturelle n'a pas aboli la résistance de chaque ethnie qui tient à préserver sa propre identité. Les groupes apparentés à la famille linguistique Arawak sont réputés pour leur formidable travail de la céramique. Dans le complexe Xinguano, seuls les Menako et les Wauja maîtrisent cet art. Malgré l'adoption de récipients en aluminium, ces deux ethnies conservent encore les techniques traditionnelles pour confectionner des céramiques de toutes dimensions et de toutes formes. Chez les potières Wauja ou Menako, c'est au sein de la famille, auprès de sa mère et de sa grand-mère, que se fait l'apprentissage. Aí eles, pessoal do Cuicuro, Calapalo, Camaira, todos poucos compravam só na mão dela. Então, quando eu era menina, né? E parece que 10 anos, 10 anos já é grande. Aí eu começava a ficar com ela. Eu ficava fazendo, brincando, fazendo a cerâmica pequenininha. Eu ficava tudo junto com ela, porque eu gostava da minha avó, assim... Costurava ela como assim, ficava mais com ela. Ela falava assim para mim, você quer aprender? Falei, eu quero. Aí ela fala assim para mim, você tem paciência para fazer essas coisas? Eu não sabia de nada para responder para minha avó, né? Eu ficava só rindo. Depois eu fiquei, primeiro menstruação, eu saí perto dela, porque eu não podia fazer mais. Eu fiquei na casa, dentro de casa, 4 anos. Aí ela me ensinou para fazer rede. Ela falou assim, agora você já está mocinha já, você pode aprender a fazer rede, esteira, e enfiar aquela buriti. Essas coisas, para aprender a enfiar algodão. Ela me ensinava assim. Minha mãe, ela não me ensinou não, só minha avó. Aí eu falei para ela assim, avó, quando eu for sair, e você pode me ensinar, continuar me ensinando cerâmica? Ela dava risada. Ainda você insiste ainda? Eu falei, eu quero. Tá bom.
E você agora já é moça, você é uma moça bonita, você pode usar assim, você pode ficar assim, dentro de casa, assim, limpo, você vai querer ser assim limpa, porque quando a gente mexe com anchila, aí suja. Ela fala assim, eu falei assim, minha avó eu gosto de mexer com anchila, tá bom. É assim que aprendi. Até agora eu tô mexendo com cerâmica. Só que minha avó nunca ela foi tirar esse barro também, só o marido dela. Marido é filho, ele saía, é longe, 4 dias de viagem. De nos jours, les hommes sont toujours responsables de la collecte de l'argile. La durée de l'expédition est certes plus courte qu'autrefois, mais l'accès au gisement reste difficile. Dans le parc du Xingu, seuls 2 lacs sont prospectés pour la qualité de leur argile. La corvée est pénible et nécessite de l'expérience pour remonter les blocs de glaise à la surface. Le travail de la céramique se pratique dans l'espace domestique. Après sa collecte, l'argile est soumise à une minutieuse préparation. Elle est nettoyée de toute impureté, tamisée et mise à sécher. Les céramistes collectent, sur les berges des rivières, des éponges d'eau douce qui, une fois brûlées, serviront de dégraissant. Les cendres sont mélangées à l'argile et mises une nouvelle fois à sécher durant 1 à 2 mois. Pour le façonnage de grandes céramiques, la technique du colombin reste le procédé quasi exclusif. La céramiste monte une succession de boudins de terre qu'elle juxtapose jusqu'à obtenir la taille souhaitée. L'opération suivante consiste à lisser les parois avec les doigts ou avec un instrument tranchant. Autrefois, le lissage s'effectuait avec un coquillage. La dernière opération avant la cuisson est le polissage. La partie extérieure est polie avec une pierre ou avec le capuchon d'un stylo, alors que la partie intérieure est poncée avec une feuille. Le bois utilisé pour la cuisson se collecte dans les forêts proches du village. Il s'agit de l'écorce d'un arbre spécifique que les Indiens appellent Hualapa. La céramique est posée à l'intérieur d'un four constitué de bûches et d'éclats de terre cuite. C'est la technique de la cuisson en tas. La cuisson proprement dite dure, selon la dimension de la pièce, 1 à 2 heures. Deixa lá esfriar até, assim, 4 horas. Você tira, já tá. Tira. Aí depois pinta. La dernière phase est celle de la décoration. En premier lieu, on passe à l'aide d'une éponge le jus d'une écorce mélangée avec du charbon de bois. Cette opération permet d'imperméabiliser la céramique. Ensuite, des motifs sont dessinés sur les parois. Ils sont inspirés du répertoire des peintures corporelles. Cette activité est confiée le plus souvent aux hommes, habitués à dessiner sur les corps des lignes géométriques. Et ils ont là un support facile pour exécuter un tracé qui ne permet pas l'erreur. De nos jours, les pigments de roku et de jenipapo sont de plus en plus remplacés par des peintures acryliques. La
céramique, Menaco et Waouja, joue un rôle important dans le système d'échange interethnique. Elle est troquée contre des perles de verre et des marmites en aluminium. Elle sert également à rétribuer les chamans. Eu não vendo aqui na aldeia, eu troco. Esse panelão que eles precisam mais, né? Para cozinhar, né? Para cozinhar mingau de mandioca. E eu troco com elas. Troca de colar de caramujo. Esse pessoal que tem loja na cidade, se encomendar para mim, eu vendo para elas. Nuyawa, Irihe, Irihe.